Amen. Amen. Deutéronome chapitre 6. Deutéronomium, also 5. Buch Moses, Kapitel 6. On va lire jusqu'à la fin. Wir werden lesen bis zum Ende. Alléluia. Amen. Je veux que... Ok, où sont les hôtesses là? Bitte. Deux hôtesses. J'ai besoin d'une hôtesse de Sinaïm. Tenez ici une hôtesse de Christ Impact. Tenez, vous prenez, et comment est-ce qu'on appelle? Deux hôtesses, vous êtes tenir là avec eux. Zwei Helferinnen, einmal von Kirche, von der Gemeinde Christ Impact und einmal von der Gemeinde Sinai. Oder auch vielleicht vier, aber das geht dann schneller. Zwei weitere Leute. Ah, non, non, ok, oui, prenez, oui, non, deux sabres, ok, deux sabres. Ok, zwei Reiter. Ok, prenez, l'autre prend le pain et l'autre prend, voilà, ça. Ja, einer nimmt das Brot, einer das... Non, 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 et cela, tu prends un comme ça. Là, il y a, et puis avec l'autre. Ok. Durant toute l'année 2006. Im ganzen Jahr 2012. Tu vas suivre cette parole. Wirst du diesem Wort folgen? Écoute ce que la parole te dit. Hörst du, was das Wort sagt? Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner. Afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Mais vous avez déjà pris possession de ce pays. Déjà. Amen. Dies sind die Gebote, Satzungen und Rechte, die der Herr, euer Gott, geboten hat, damit ihr sie lernen und tun sollt in dem Land, in das ihr zieht, um es einzunehmen. Ihr seid schon in dem Land. Afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu. Damit du... En observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils, et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, afin que tes jours soient prolongés. Damit du den Herrn, deinen Gott, fürchtest und alle seine Rechte und Gebote hältst, die ich dir gebiete, du, deine Kinder und deine Kindeskinder, alle Tage deines Lebens, damit du lange lebst. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux. Et que vous vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Israël, du sollst hören und darauf achten, dass du es tust, damit es dir gut gehe und du sehr vermehrt werdest, wie der Herr, der Gott deiner Väter, dir verheißen hat, in dem Land, in dem Milch und Honig fließt. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Höre Israël, der Herr, unser Gott ist Herr allein. Écoutez, peuple de Dieu. Hört, nous avons un seul Dieu. Wir haben nur einen Gott. Et votre Dieu. Und euer Gott. Et mon Dieu. Und mein Gott. Et le seul Dieu. Ist der einzige Gott. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Du wirst deinen Gott lieben. De tout ton cœur. Von ganzem Herzen. De toute ton âme. Von ganzer Seele. Et de toute ta force. Und von ganzer Kraft. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui, und diese Gebote, die ich dir heute gebe, seront dans ton cœur. Werden in deinem Herzen sein. Écoute très bien, peuple de Dieu. Höre gut zu, Volk Gottes. Tu vas craindre l'Éternel, ton Dieu. Du wirst den Herrn, dein Gott, fürchten. Halleluja. Et tu vas mettre en pratique ce que tu entends. Und du wirst das umsetzen, was du hörst. Pour que tu te multiplies, que tu sois heureux. Damit du dich vermehrst und fröhlich seist. Tu les inculqueras à tes enfants. Verset Nummer 7. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt. Quand tu iras en voyage. Oder auf dem Weg gehst. Quand tu te coucheras. Wenn du dich niederlegst. Et tu te lèveras. Oder aufstehst. Tu les lieras comme un signe sur tes mains. Und du sollst sie zum Zeichen auf deine Hand binden. Ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses schreiben und an deine Tore. L'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob, de te donner. Du sollst, wenn dich nun der Herr, dein Gott, in das Land bringen wird, das er deinen Vätern Abraham, Isaac und Jakob zugeschworen hat. Écoute ta promesse, peuple de Dieu. Höre dein Versprechen. Tu posséderas de grandes et de bonnes villes que tu n'as point bâties. Du wirst
große Städte und Häuser besitzen, die du dir nie erträumt hättest. Je connais quelqu'un ici dans mon église. Ich kenne jemanden hier in meiner Gemeinde. Que quelqu'un lui a pourvu tout ce qu'il n'a même pas travaillé toute sa vie pour avoir. Und da hat jemand ihm etwas vorhergesehen, dass er etwas haben wird, was er noch nie in seinem Leben hatte. Halleluja. Voilà ta promesse. Sehe deine Verheißung. Des maisons qui sont pleines de toutes sortes. Häuser voll von allem Guten. Des biens. Die du nicht que tu n'as point rempli. Des citernes creusées que tu n'as point creusées. Ausgehauene Brunnen, die du nicht ausgehauen hast. Des vignes et des oliviers que tu n'as point planté. Und Weinberge und Ölbäume, die du nicht. Lorsque tu mangeras. Gepflanzt hast. Und wenn du isst. Et tu te rassasieras. Und satt wirst. Garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. So hüte dich, dass du nicht den Herrn vergisst, der dich aus Ägypten aus dem Sklavenhaus geführt hat. De la maison de servitude. Écoute, peuple de Dieu. Hör zu, Volk Gottes. Dieu a déjà pourvu pour toi. Gott hat schon für dich vorgesorgt. Même les gens, il a déjà préparé des gens, il a déjà préparé des trésors, il a déjà préparé des projets pour toi. Er hat sogar Menschen, er hat Orte vorbereitet, er hat Dinge vorbereitet, Pläne für dich vorbereitet. Il attend seulement que tu marches dans ses principes. Er wartet nur darauf, dass du nach seinen Prinzipien läufst. Et que tu suives ses préceptes. Und dass du diesen Prinzipien befolgst. En cette année 2012. In diesem Jahr 2012. Dans les premières minutes de l'année 2012. In den ersten Minuten des Jahres 2012. J'invoque la bénédiction de la parole de Dieu. Rufe ich den Segen des Wortes Gottes. Sa promesse. Sein Versprechen. Sur le corps et le sang du Christ. Über das Leib und das Blut Jesu. Le symbole de l'alliance de Dieu. Das Symbol des Bundes mit Gott. Pour que tu sois purifié. Damit du gereinigt seist. Et que tu sois sanctifié. Und gereinigt seist. Et que la corruption de ton cœur soit détruite. Und möge die Verwirrung deines Herzens zerstört sein. À partir du moment où tu t'humilieras pour participer à la communion, à la sainte cène, en mangeant le corps et le sang du Christ, pendant que tu te dis que le miracle de l'Éternel, que la puissance de Dieu te visite aujourd'hui là où tu te tiens, dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans ta maison, quand tu rentreras, que tu ne sois plus la même personne qui soit venue ici, que ton fardeau tombe, que ton souvenir du passé soit éradiqué, effacé, parce que tu seras rétabli dans la vie du Christ selon le sang et le corps qu'il nous a donné. Alléluia, pour établir sa nouvelle alliance. Seigneur, je sanctifie et je bénis. Ce repas. Nous nous connectons avec toi. Nous sommes ici en bas sur la terre. Toi, tu es dans les cieux des cieux. Que ta volonté soit faite ici. Dans ce lieu-là même. Devant cette communion. Vor dieser Verbindung. Comme au ciel. Wie im Himmel. Au nom de Jésus. Là où tu sièges dans ton trône. Da wo du regierst in deinem Thron. Sois répandu sur cette sainte scène. Auf dieses heilige Abendmahl gebracht werden soll. Afin que maintenant. Damit jetzt. Dans la cinquième minute de l'année 2012. In der fünften Minute des Jahres 2012. Que ta promesse. Möge deine Verheißung. En vigueur. In jedes Herz kommt. Avec qui comme veut établir une alliance maintenant. Mit jedem, der jetzt eine Verbindung mit dir einrichten möchte, Herr. Amenez maintenant et que chacun prenne. Geht und gebt jetzt, damit jeder etwas nimmt. Excusez-moi, tu peux prendre la main, venir. Papa, venez rapidement. Amen. Je vous en prie. Attendez d'abord, vous allez lever ça ensemble. Pendant que vous receviez, commencez maintenant à prier là-dessus. Ich bitte euch, wenn ihr das jetzt erhaltet. Commencez à déclarer les paroles de l'alliance que vous vouliez établir en cette année 2012. Nous sommes déjà dans l'année 2012. Fangt an dafür zu beten und für das zu beten, was ihr möchtet, dass der Herr in diesem Bund mit euch. Tu vas proclamer les souhaits de ta vie. Ihr werdet die Wünsche eures Lebens proklamieren. Qu'est-ce que tu attends de ton Dieu cette année? Was erwartest du von deinem Gott dieses Jahr? Tu vas parler sur. Du wirst sprechen. Sur cette alliance. Auf diese Verbindung. Et tu vas te connecter. Und du wirst dich verbinden.
Parce que denn c'est une alliance que tu vas établir. Ein Bund, den du schließen wirst. C'est une nouvelle année. Es ist ein neues Jahr. 2012. Alléluia. Amen. Vas-y. Du, Seigneur. Herr. Dans le nom de Jésus. In Jesu Namen. Alléluia. Gloire à Jésus. Ok. Chacun a pris? Hat jeder bereits etwas? Élève ta voix. Hebe deine Stimme. Élève ta voix. Hebe deine Stimme. Élève ta voix. Hebe deine Stimme. Parle. Sprich zu deinem Gott. Parle à ton Dieu. Sprich zu deinem Gott. Tu rentres maintenant. Geh jetzt hinein. Tu es en 2012. Change ta façon de voir les choses. Ändere deine Art und Weise, Dinge zu sehen. Parle de la foi. Sprich im Glauben. L'année 2012 t'écoute. Das Jahr 2012 hört dir zu. L'année t'écoute. Das Jahr hört dir zu. L'alliance va maintenir. Der Bund wird standhalten. Tes déclarations. Deine Proklamationen. Et le Seigneur te sera fidèle. Und der Herr wird dir treu sein. Dans le nom de Jésus. In Jesu Namen. Seigneur, je te prie. Herr, ich bitte dich. Dans le nom de Jésus. In Jesu Namen. De lever maintenant. Yes. Oh mon Dieu, de tourner ton regard sur ton peuple. Ouvre tes oreilles. Écoute la prière de ton peuple. Oh Seigneur, Seigneur, que nous te prions pour changer les situations, pour changer les circonstances de nos vies, sur nos enfants, sur notre église, sur notre cité, sur cette nation. Seigneur, nous nous connections. Nous avons entendu ta parole. Et nous voulons demeurer dans ta parole. Nous nous lions de ta parole. Nous invoquons la promesse de ta parole. Tu ne seras pas en ce moment. Dans le nom de Jésus. Pour établir cette alliance avec toi. Pour établir cette alliance avec toi. Pour établir cette alliance avec toi. Pour établir cette alliance avec moi. Dans le nom de Jésus. In Jesu Namen. Au nom de Jésus. In Jesu Namen. Au nom de Jésus. In Jesu Namen. Maintenant, mon frère et ma soeur. Mein Bruder und meine Schwester. Nous allons garder le silence. Wenn wir Ruhe bewahren. Alléluia. Amen. Le rituel que nous faisions est très 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 important. Das Ritual, das wir machen, ist sehr, sehr wichtig. C'est un rituel spirituel. Das ist ein Ritual, ein geistliches Ritual. Halleluja. Amen. Tu vas lever le pain avec moi. Du wirst mit mir das, den Leib, das Brot erheben. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 24. 1. Korinther Kapitel 11, Vers 24. Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Er dankte und brach es. Tu peux rompre ton pain. Du kannst dein Brot brechen. Et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Tu peux le manger maintenant. Und sagte, nehmt es, esst, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Tu peux lever ta coupe maintenant. Du kannst dein Getränk jetzt heben. De même après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund. La nouvelle alliance. Der neue Bund. La nouvelle alliance. Der neue Bund. Cette coupe. Dieser Kelch. Est la nouvelle alliance en mon sang. Ist der neue Bund in meinem Blut. Faites ceci en mémoire de moi. Dies tut so oft ihr daraus trinkt zu meinem Gedächtnis. Toutes les fois que vous boirez. So oft ihr daraus trinkt. Buvez cela. Trinkt es bitte. Je veux que tu remercies le Seigneur pour ton alliance. Ich möchte, dass du den Herrn für deinen Bund. Je veux que tu remercies la prière de ton cœur. Je veux que tu remercies le Seigneur pour ton alliance. Danke dem Herrn für deinen Bund. Seigneur, nous te disons merci. Nous te glorifions, Seigneur, nous t'exaltons. Nous te magnifions.